Débat du Grand Direct consacré donc ce soir à la situation politique en Israël. On est à un peu plus de trois semaines, presque un mois, on va dire, de la conclusion d'un cessez-le-feu dont on a dit il y a quelques instants qu'il a peut-être été, pour la première fois en tout cas, violé ce soir avec le tir d'un obus de mortier ou d'une roquette. Ce n'est pas encore clair. En direction donc d'Eshkol, pas de victimes, pas de dégâts. Le Hamas à l'instant dément catégoriquement avoir rompu la trêve et ne pas être au courant de ce tir de roquette. Mais qu'en est-il de la situation politique? On parle de plus en plus d'un risque d'élection anticipée. Benjamin Netanyahou a-t-il été affaibli? On va en parler avec nos invités. Bonsoir Michel Benhamy, vous êtes membre du Likoud Jérusalem. Bonsoir à vous Maurice Yfergoin, analyste politique. Donc sur Act24News, on a posé cette question via notre site internet. Eh bien vous, téléspectateurs, internautes, pensez-vous donc que Benjamin Netanyahou ait été affaibli par cette guerre, cette opération bordure protectrice, par ce cessez-le-feu, puisque depuis, eh bien la situation politique semble particulièrement instable au sein de ce gouvernement. On va demander tout de suite à Leslie Rezoug eh bien les résultats. Bonsoir Leslie. Oui, bonsoir Jean-Charles. Alors que la coalition gouvernementale semble plus fragile que jamais et que des élections anticipées pourraient même être organisées, le bilan de l'opération bordure protectrice semble mitigé pour Benjamin Netanyahou. Et c'est donc la question que nous avons posée ce soir à nos internautes. Un mois après la fin de la guerre, Netanyahou apparaît-il affaibli? Alors je vous propose de regarder tout de suite les résultats de notre sondage. Comme vous le voyez, c'est le non qui l'emporte à 58%. 30% des votants ont répondu oui et 5% sont sans opinion. Vous le voyez donc Jean-Charles, c'est le non qui l'emporte à une courte majorité ce soir. Une majorité des votants ne pense pas que l'influence de Benjamin Netanyahou ait diminué depuis la fin de l'opération militaire. Netanyahou sort plutôt renforcé, écrit même Messan Kokuyovo. Il ajoute que le Premier ministre israélien a su gérer l'opération bordure protectrice avec perspicacité, intelligence et hauteur d'esprit, en dépit des critiques venant de la communauté internationale. Bob Dana explique quant à lui que Benjamin Netanyahou a géré le dernier conflit avec maestria en faisant preuve de retenue, mais aussi de force et de conviction. Malgré tout, 37% des votants considèrent que des erreurs ont été faites dans la gestion de l'opération bordure protectrice. Gerbi Nekmetin souligne que si cet affaiblissement politique n'est pas direct, le budget de Tsahal se fait de plus en plus gourmand en fonds et que la coalition gouvernementale pourrait en pâtir. Un avis partagé par Simone Cohen, qui juge quant à elle que Netanyahou a laissé tomber les populations du Sud et que la sécurité du pays n'est pas garantie par un cessez-le-feu qu'elle juge décevant. Voilà donc Jean-Charles pour l'avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse à présent en débattre avec vos invités sur le plateau. Et je vous rappelle également que vous êtes toujours invités à voter et à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter. Pour voter, notre page internet www.i24news.tv. Merci beaucoup Leslie Rezoug. Alors même si ce cessez-le-feu a donc peut-être et formellement en tout cas été rompu ce soir, mais on n'a pas encore de revendication ou d'origine directe de ce tir, Michel Benhamy, est-ce que pour vous la situation de Benjamin Netanyahou devient de moins en moins tenable là, au fur et à mesure? Tout au contraire, la question qu'on se pose en Israël, contrairement à la question que vous avez posée à vos téléspectateurs, c'est qui vous voulez voir comme Premier ministre en Israël? Et à cette question, ça fait trois ans qu'on a plus de 50%. Non seulement qu'on a plus de 50% pour cette question, quand on pose une deuxième question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait remplacer Netanyahou à la tête du pays? On a loin derrière, avec 13%, Bougie Herzog, que tout le monde sait qu'il n'est pas encore capable d'être le Premier ministre d'Israël. Donc on a un Premier ministre qui gère le mieux possible. Oui, des fois, dans la coalition, il faut régler des problèmes à droite ou à gauche. Surtout, dire à l'Israélien qu'il n'a pas deux voix dans les mains. Mmh. Quand il vient voter, il veut Netanyahou en tant que Premier ministre et il veut essayer qu'il ait plus de voix à droite ou à gauche. L'Israélien n'a pas deux voix. C'est une seule voix, c'est Netanyahou, le Premier ministre d'Israël. Je ne vois pas d'autres possibilités. Ouais. Vous en voyez d'autres? En ce moment, des scénarios, il y en a d'autres. Qu'il n'y ait pas d'alternative à Benjamin Netanyahou en ce moment, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de prétendant. Il y a même au sein du Likoud des gens qui souhaiteraient bien remplacer Benjamin Netanyahou. Donc je pense que effectivement, le Premier ministre est dans une situation difficile, dans une passe difficile, après cette opération, surtout sur le plan social, parce que maintenant il y a une discussion sur le budget qui ébranle sa coalition. Alors, sur le plan international,
peut-être qu'il est sorti un peu vainqueur, disons, de cette opération, mais sur le plan intérieur, ça grince, il y a des grincements au sein de sa coalition, et on parle de plus en plus d'élections anticipées pour le printemps 2015. Alors, c'est évident que Benjamin Netanyahu ne veut pas d'élections anticipées, il y a peu de gens d'ailleurs dans les milieux politiques qui le souhaitent, mais la mécanique est telle qu'on pourrait peut-être arriver à une situation dont personne ne voulait. Ça, c'est encore le débat politique en Israël. C'est toujours comme ça. On est toujours assez mécontent de nos dirigeants et on cherche toujours une alternative. Peut-être qu'au printemps, on en aura une. Ouais. Alors, on va prendre des problèmes un peu qui se posent là, mais vous y répondez là-dessus ? Oui, bien sûr, parce que les grincements par rapport au budget national, on les voit chaque année en Israël. Ouais. C'est pour ça qu'on essaye de faire passer des budgets nationaux en Israël, contrairement à tous les pays du monde, tous les deux ans. En a partout. Cette fois-ci, on a 6 milliards de plus qui se sont créés par la guerre à Gaza. C'est 6 milliards sur un budget qui va faire 100 fois plus. C'est-à-dire, ce n'est pas le grand problème d'Israël. Les grincements, est-ce qu'il faut faire passer la loi de 0% de TVA pour les maisons ? Personne ne pense en Israël qu'il le faut, même Yair Lapid, parce qu'il a vu que contrairement à ce qu'il voulait avoir en fin de compte, en faisant passer cette loi, c'est que les gens puissent acheter des maisons moins chères en Israël, mais les maisons ont augmenté de prix à cause de la loi en vue. Alors si la loi passe demain, ça va être pire. Donc il faut arrêter ce jeu. Il n'y aura pas de loi de 0% de TVA pour les nouvelles maisons en Israël. C'est des petits grincements. Chaque année, j'étais à la Knesset pour le budget national. Et c'est chaque année, beaucoup de paroles, en fin de compte, le budget passe le mieux possible. Donc la question, c'est quoi finalement ? C'est de se dire, Maurice Ferrand, si tout ça, ce sont des calculs politiques, Lapid qui tire peut-être la couverture pour sa propre carte, ou est-ce qu'il y a des vraies dissensions politiques au sein de cette coalition ? Moi, je crois que pour le moment, le Premier ministre a dit pratiquement deux fois non à son ministre des Finances. Et c'est grave dans un gouvernement. Le premier non, c'est-à-dire Lapid souhaitait la réunion d'une conférence internationale pour régler le problème de Gaza. Pour le moment, on n'a pas vu l'ombre d'une réunion, d'une conférence internationale. Le deuxième non, ça a été sur cette loi du 0% pour l'achat du premier appartement. Malgré tout, le fonctionnement entre un Premier ministre et son ministre des Finances est essentiel pour un État, et notamment en fin d'année lorsqu'on vote le budget. Alors, ça ne veut pas dire que la coalition va se défaire demain matin. Ça ne veut pas dire que le Premier ministre ne va pas pouvoir continuer. Mais ça veut dire que là, il y a déjà des failles au sein de cette coalition, il va falloir en tenir compte. D'autant que Yair Lapid n'est pas tout seul, il a Tzipi avec lui, et que le Premier ministre est aussi contesté sur son extrême droite. On a vu au sein de son parti, il y a eu une réunion du Likoud, vous devez y être, où Danone a réuni les instances du Likoud, le Premier ministre ne s'est pas présenté, n'y était pas, il a préféré aller ailleurs, à Ashkelon. Donc ça grince à droite et à gauche de Benjamin Netanyahu. Et ça, c'est un mauvais présage. Ça peut mener à quelque chose dont personne ne voulait. Ça, c'est... Je vais vous dire, quand le ministre, le trésorier, fait partie du Likoud et c'est un ministre qui doit travailler avec le Premier ministre, ça passe normalement. On peut dire non au trésorier. Même Sharon, en tant que Premier ministre, a dit non plusieurs fois au trésorier. À cette époque, c'était Netanyahu. Ça marche. C'est en fin de compte le Premier ministre qui doit prendre des grandes décisions. Ça ne marche pas quand le peuple donne 17 ou 19 voix à quelqu'un, et si le trésorier est chef d'un parti qui a eu 19 voix à la Knesset et qu'aujourd'hui dans les sondages il est 4-5 voix et il essaye de gagner plus de voix en faisant de la politique, ça marche pas. C'est pour ça, je pense que Yair Lapid va descendre son ego maintenant après ce dernier nom, dire ok, j'ai compris, il n'y aura pas de 0% de TVA, mais je continuerai à travailler avec le Premier ministre, parce que la plus grande... Des erreurs que fera Yair Lapid, c'est de quitter le gouvernement maintenant. C'est comme Tzipi Livni, il y a quelques années, quand elle n'a pas voulu être le trésorier, ou même Shelly Yachimovic, le lendemain, elle se retrouvait sans parti et sans pouvoir. On fait de la politique pour avoir un parti, pour avoir du pouvoir, pour pouvoir changer. Donc, il n'y aura pas de 0% TVA, mais il pourra faire beaucoup d'autres choses, Yair Lapid, en tant que trésorier. Vous pensez qu'il y a justement un intérêt pour aujourd'hui à Lapid à rester dans cette coalition, ou est-ce que pour lui, il y a intérêt justement à provoquer une rupture et aller à l'élection ? Je pense qu'il n'a pas intérêt à provoquer une rupture. Les sondages montrent qu'il risque de sortir perdant de cette rupture sur le nombre de sièges au Parlement. Donc, pour le moment, lui aussi a intérêt à faire profil bas et peut-être accepter ces deux noms. Ce que je dis, c'est que ça provoque des failles au sein de cette coalition. J'aurais été à sa place, Moshe Kahlon qui se présente en tant que nouveau parti
au centre qui veut venir pouvoir montrer qu'il a une possibilité de faire baisser les prix des maisons en Israël et d'être un peu plus social que Yair Lapid. J'aurais été à la place de Yair Lapid, c'est d'étudier déjà le programme de Moshe Kahlon, c'est essayer de voir plus loin. Ok, on a essayé quelque chose, je pense que Yair Lapid, en faisant ce 0% de TVA, il a voulu pour le bien des citoyens en Israël, ça n'a pas marché, il y a eu une erreur quelque part, on laisse tomber pour le moment et on passe à autre chose. Il y a, mais il y a d'autres sujets d'affrontement quand même, il y a notamment le budget de l'armée que évidemment il faut maintenant reconsidérer et que certains, notamment on a vu hein, la Banque d'Israël qui n'est pas partisane de creuser un déficit pour ce budget. Ça c'est un vrai sujet aussi qui peut entraîner une rupture. Pour ça, à part l'erreur qui a été faite, que est-ce que la guerre a coûté 9 milliards ou 6 milliards, parce que c'est une erreur, ils n'ont pas eu le temps d'étudier les papiers, la guerre a coûté 9 milliards, mais sur les 9 milliards, il y a 3 que de toute façon coûtent à l'entraînement de Tsahal, donc la guerre a causé un déficit de 6 milliards. Une fois que cette erreur est comprise et qu'on est passé au-delà, ben, les autres choses aussi vont avancer. Les 6 milliards, on n'est pas obligé de les prendre par déficit, on n'est pas obligé d'augmenter les taxes pour les citoyens d'Israël. Et on n'est pas obligé non plus de changer l'équilibre du trésor en Israël. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Déjà, s'il n'y aura pas de 0% TVA pour les maisons, c'est déjà de l'argent en plus. Mm-hmm. Il s'agit de 2 à 3 milliards. Il y a de l'argent américain aussi qui se joue. Je pense que contrairement aux autres années où on a fait passer des budgets à la Knesset, ce budget passera beaucoup plus facile qu'avant. Parce que la majorité des partis dans le gouvernement ont la même image sociale. Donc il passera plus simple qu'avant. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le Likoud a toujours voulu présenter en avant une image sociale, justement. Et la révolte sociale qu'on a connue ici en Israël il y a 3 ans doit être prise en compte. Je veux dire, Yair Lapid a été élu sur cette base. Tzipi Livni aussi. Je veux dire, et le Likoud aussi, dans une certaine mesure, a tenté de récupérer ce mouvement. Donc l'ignorer aujourd'hui en disant finalement c'est les investissements sécuritaires qui font tourner l'économie, qui permettent le développement économique, c'est un peu lâcher la base électorale du Likoud, cette base qui vit dans les villes de périphérie, qui vit dans le sud, qui sont fort mécontents de ce qui s'est passé cet été et qui demande une politique sociale. Alors vous me dites on va les trouver, je veux bien, mais les hôpitaux sont tous en déficit. L'éducation, on a des classes avec 40 élèves, dans l'OCDE a présenté des statistiques, on est un des pays où il y a le plus d'enfants par classe. Je veux dire, il y a quand même des problèmes sociaux et on ne peut pas simplement venir dire à la population israélienne qui a passé un été quand même assez difficile, écoutez, serrez-vous la ceinture encore parce que l'armée a besoin de plus d'argent. L'armée doit être capable aujourd'hui de réduire son budget là où ce n'est pas nécessaire. On sait qu'il y a de la crème dans ça et qu'il y a une possibilité de réduire. Or, pour le moment, l'armée refuse systématiquement une réduction de son budget et c'est là le problème. C'est pour ça qu'il y aura un Premier ministre qui va trancher. L'armée veut plus d'argent, le Trésor n'a pas d'argent et les ministres sociaux veulent encore plus d'argent. Il y aura un Premier ministre qui va venir et qui va trancher et qui fait le mieux possible que moi je vois à mes yeux en Israël. Je suis en politique depuis plus de 20 ans. Le premier Premier ministre qui est venu et qui a fait de sorte que le GAN commence gratuitement à l'âge de 3 ans, c'est Netanyahou. La première personne qui est venue et qui dit que l'école en Israël ne finira pas à 1 heure, mais à 4 heures pour pouvoir permettre aux parents de continuer à travailler une journée entière, c'est Netanyahou. La première personne qui vient et qui dit que dans les classes en Israël, il faut qu'il y ait moins de 30 personnes. Et la première personne qui a réduit les allocations familles monoparentales, c'est Netanyahou. Oui, aussi. C'est un Premier ministre qui doit trancher, il doit faire le mieux possible de ce qu'on a. C'est quoi une caisse? C'est quoi un trésor? C'est des citoyens d'un État qui payent des taxes. De ces taxes, on les met dans une boîte. Et avec cette boîte, cet argent, on paye les choses de tout le pays. C'est comme ça qu'un pays marche. On n'a pas en Israël ni du pétrole, ni de l'argent qui appartient au pays. Dans 5 et 10 ans, si on aura encore du gaz chez Tchouba, l'État d'Israël aussi en aura de l'argent de ça. Mais pour le moment, le budget national israélien est construit que par les taxes des citoyens d'Israël. Donc c'est le même argent qu'il faut définir comment est-ce qu'il doit être tranché. Je peux ajouter encore que le premier Premier ministre qui a décidé que le budget le plus grand en Israël avant l'armée, c'est l'éducation, c'est Bibi Netanyahou. Donc il fait le mieux possible. C'est aussi, il a besoin aussi de voir la sécurité d'Israël et lui dire on ne va pas trancher alors qu'on a tellement de problèmes autour.
On sait que l'Iran, en ce moment, profite de ce problème de Daesh pour accélérer son atome. Netanyahou, il doit voir toute l'image, la grande image, les citoyens d'Israël et Israël dans ce contexte du Moyen-Orient. Allez, 30 secondes pour conclure. Maurice Hiver, vous pensez qu'on va vers les élections anticipées ou pas? Est-ce que non, je ne crois pas. Je crois que personne n'a intérêt à des élections anticipées, surtout pas un an après une élection. Je dirais, il a encore 3 ans devant lui. Mm-hmm. Je pense que le Premier ministre va prendre son temps. C'est vrai que dans sa coalition, on va revoir les choses à la baisse, les demandes à la baisse. On va arriver à des compromis, mais simplement, je dis que la première faille est là. Peut-être que ce gouvernement va encore tenir, encore un an, 2 ans, mais il n'ira pas jusqu'au bout. Je suppose que c'est un peu la tradition, d'ailleurs, en Israël. On ne va jamais au bout d'un mandat. Bon, bah nous on va au bout de ce c'est débat. C'est comme pour cette... Je vais vous arrêter. On est au bout de ce débat. Merci Michel Benhamy, merci Maurice Hiver-Grand. Dans un instant, l'invité sera le tout nouveau porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, Emmanuel Nachshon. Restez avec nous pour la suite du Grand Direct. À tout de suite.